Dans le premier épisode, nous avons vu le premier grand succès de Bonaparte au siège de Toulon. Il a pu montrer à tous son génie militaire. Grâce à cette victoire, il est promu général. Son histoire ne fait que commencer. Le destin va encore lui sourire 2 ans plus tard, en 1795. Il va à nouveau sauver la Révolution et la République en réprimant la révolte royaliste du 13 Vendémiaire. Pour comprendre l'importance de ce deuxième succès de Napoléon, il est important de se plonger dans le contexte historique. Nous sommes au début de l'automne 1795. La France est encore très divisée entre républicains et royalistes. La Convention a achevé sa mission et va donner un nouveau régime politique à la France, le Directoire. Des élections sont prévues pour mettre en place une assemblée du Directoire. Les royalistes avaient encore l'espoir de gagner les élections et de rétablir la monarchie par des voies légales. Mais le résultat des élections est en quelque sorte truqué. Il est connu d'avance à cause du décret des 2/3. Ce décret de la Convention est très important et va mettre fou de rage les royalistes. Le décret change la loi électorale. Il permet aux membres de la Convention de garder 500 sièges sur 750 dans la future assemblée. 500 sur 750, voilà pourquoi on l'appelle décret des 2/3. Les royalistes n'ont donc aucune chance de devenir majoritaires. Ils sont en colère. C'est dans ce contexte que se déroule la révolte royaliste du 13 Vendémiaire. Voici le déroulement de la bataille lors de cette journée incroyable qui va être un tournant dans la vie de Napoléon. Depuis plusieurs jours, les royalistes préparent une sorte de coup d'état, une tentative de coup de force pour forcer la Révolution à abroger le décret des 2/3. La Convention est avertie des préparatifs. Elle charge Paul Barras du commandement des troupes de Paris. Elle lui adjoint 5 généraux, dont Napoléon Bonaparte. En fait, c'est Bonaparte tout seul qui dirige les opérations. À seulement 26 ans, à 15h, la Convention est cernée. Toutes les rues qui mènent à la Convention sont occupées par les royalistes. Les insurgés, environ 25 000 hommes, veulent même fraterniser avec les soldats qui défendent la Convention. Bonaparte va réagir. Bonaparte charge Joachim Murat, alors chef d'escadron, de s'emparer des 40 canons des sections royalistes rassemblées au camp des Salbons. Ces canons sont placés aux extrémités et toutes les rues qui conduisent à la Convention. Ensuite, Paul Barras donne l'ordre d'ouvrir le feu et Napoléon Bonaparte commande aux canonniers de tirer. Il laisse la mitraille tirer pendant 45 minutes. Il y a environ 300 morts parmi les insurgés. C'est une victoire de la Convention et de la République. Bonaparte n'a pas hésité à tirer sur la foule pour sauver la République. Cette opération rend Bonaparte encore plus célèbre qu'après le siège de Toulon. Il sera surnommé le général Vendémiaire. On raconte que Bonaparte a hésité à rejoindre les royalistes. Napoléon a écrit à son frère « J'ai choisi le camp de la Convention car je pense y trouver plus de fortune. » Et il ne s'est pas trompé. C'est un véritable coup de poker que Napoléon a fait et la chance était avec lui. Grâce à cette deuxième grande victoire, Napoléon se verra confier la campagne d'Italie. Dans le prochain épisode, nous verrons la première grande bataille de cette campagne d'Italie, la bataille de Montenotte, et ce sera une victoire pour Bonaparte. Abonnez-vous pour ne pas manquer l'épisode 3. Ne manquez aucun des 50 épisodes de cette série passionnante sur toutes les batailles de Napoléon en vous abonnant dès maintenant à la chaîne. À très vite sur la chaîne Adrien Analyste, votre analyste d'histoire.